Salutations, c'est le Corbac. Donc récemment j'ai terminé une série qui s'appelle Steins Gate et je voulais faire une petite review dessus pour donner un petit peu mon avis. Donc cette série c'est une série assez spéciale puisque c'est une série qui parle de voyage dans le temps. Toute l'histoire est basée là-dessus. C'est une série de 24 épisodes donc c'est quand même assez long. J'ai voulu regarder cette série parce que c'était une série qui était très bien notée sur MyAnimeList. Donc MyAnimeList qui est un site web qui référence tous les animés existants. Et donc sur MyAnimeList, il est classé deuxième parmi la totalité des animés jamais regardés au monde entier de la mort qui tue. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Donc au niveau graphisme, je trouve que l'animé est vraiment très bien réussi. Et même si j'avais un petit peu peur au niveau du character design, finalement, je trouve que ça passe très bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le style graphique de cet animé. Au niveau des musiques, par contre, rien d'exceptionnel à part la musique de l'épisode 23. Mais ça va parce que finalement, la série se laisse prendre et on n'y fait pas spécialement très attention. Par contre, au niveau de l'histoire, je dirais que l'histoire de Steins Gate, par rapport à tout ce que j'ai vu précédemment, j'ai vu plus de 200 animés, je dirais que c'est le deuxième meilleur scénario, deuxième meilleure histoire que j'ai vue sur un animé. C'est vraiment une histoire qui, je trouve, est très très bien écrite. Et j'étais vraiment impressionné de voir vraiment le travail derrière l'écriture du scénario, qui est vraiment très bonne, même si qui dit voyage dans le temps dit éventuellement problème. Mais là où certaines œuvres ont du mal à traiter le sujet du voyage dans le temps, il y en a d'autres qui réussissent plutôt bien. Mais souvent, les œuvres qui traitent du sujet et qui le font bien, sont souvent des œuvres qui ne sont pas basées entièrement sur le voyage dans le temps, mais en général ce sont juste un personnage en particulier. Mais je trouve que cette série, donc qui est entièrement basée là-dessus, est vraiment bien réussie. Pour raconter un petit peu l'histoire, le héros il s'appelle Okabe Rintaro, c'est un espèce de... C'est un mec qui se fait prendre pour un scientifique fou. Et en fait, son but, c'est un petit peu de semer le chaos dans le monde en essayant de créer une machine à voyager dans le temps. Et donc, il va aller dans une conférence qui va parler de machine à voyager dans le temps, justement. Et lors de cette conférence, il va tomber sur une fille donc, qui s'appelle Makise Kulisu, qui va la voir. Et peu de temps après, il va voir qu'elle a été tuée. Du coup, il va s'enfuir et il va envoyer un message de son téléphone à une connaissance, et à ce moment-là, au moment où il envoie le message, le passé se retrouve complètement modifié. Les 5 derniers jours qui se sont déroulés ne se sont pas déroulés comme il l'a vécu, et il est le seul à se rappeler des événements passés. Et du coup, après, toute l'histoire va se baser justement sur des voyages dans le temps, des modifications du passé, machin, etc. Et du coup, puisqu'il a modifié le passé, en fait, Makise Kurisu, il va se rendre compte qu'elle n'est pas morte. Et du coup, après, il va pouvoir travailler avec elle. Et ils vont essayer de faire machine à voyager dans le temps ensemble. Sachant qu'après, il y a toute une histoire, bien sûr, autour de ça. Les modifications du passé, etc. Toute l'histoire qui est basée là-dessus. Donc, bien sûr, un personnage, on a d'abord Okabe Rintaro. Donc, j'ai dit, c'est le personnage principal. Son caractère va beaucoup évoluer avec la série. Je trouve que c'est un personnage qui est très bien réussi. Donc, on a également aussi Makise Kurisu, qui est une scientifique qui s'y connaît un petit peu dans les théories du temps, etc. Et du coup, va travailler un petit peu avec Okabe pour essayer de créer une machine à voyager dans le temps. On a également Ashida Itaru, donc lui c'est un geek, hein, c'est le stéréotype du gros geek, qui lui est un super hacker, qui va donc aider Okabe, qui est un de ses amis. Dans ses aventures, on a également Mayuri Shina, qui est une fille qui n'était pas très joyeuse avant, et que Okabe a pris sous son aile pour essayer de la rendre un peu plus joyeuse. On a également d'autres personnages comme Rumio, alias Ferris, qui est une fille qui travaille dans un maid café avec des oreilles de chat, etc. Donc on a également un personnage plus important, Suzua, qui est un personnage très intéressant dans la série, qui est une fille dont on ne sait pas grand-chose au début. Et je trouve que c'est un personnage qui ressemble pas mal à un personnage d'une autre œuvre de Negima, Lin Chen Chao. Et je trouve que ces deux personnages se ressemblent pas mal. En tout cas, les gens qui auront vu les deux séries comprendront pourquoi. On a également Rukako, que je pourrais résumer comme ceci. Et après, on va dire en dernier personnage vraiment important dans la série, il y en a Kiryu Moeka, qui est une fille très silencieuse et qui utilise énormément son portable pour communiquer. Et un personnage aussi très énigmatique dans la série, et qui est assez important également.
Donc si je devais donner mon avis sur la série Steins Gate, c'est vraiment une série qui est excellente. Et si je devais donner une note à cette série, ça serait 10 sur 10. C'est pas ma série préférée, hein. Ma série préférée c'est Rurouni Kenshin. Mais c'est vraiment une série qui, je dirais, peut-être dans mon top 5 des meilleures séries que j'ai vues de toute ma vie, pour l'instant. Et que je vous conseille vraiment de voir si vous aimez bien toutes les histoires au niveau des paradoxes temporels, voyages dans le temps, etc. Sachant que c'est probablement l'une des meilleures œuvres traitant de ce sujet. Ce qui est très intéressant aussi dans cette série, c'est qu'il utilise des faits réels. Donc il parle notamment du CERN. Donc le CERN qui est un institut qui existe réellement. Celui qui avait pour but de créer le plus gros accélérateur de particules existant sur Terre. Et qui avait pour but de valider l'existence du boson de Higgs. Et qui pensait qu'il y avait une chance de créer un mini trou noir. Alors je ne sais pas si vous avez vu ces informations, mais en tout cas voilà, ce sont des faits réels et qui sont réutilisés dans cette série. Bien sûr, les faits de cette série ne sont pas réels, mais ils se basent sur des faits réels notre vraie vie. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de mélanger un petit peu les deux. Et je trouve que le cocktail entre les différents personnages, l'histoire, etc., est vraiment très bien réussi. Voilà, c'est la preuve que je ne fais pas que critiquer les animés. Il y a aussi des animés que j'aime beaucoup, et celui-là en fait partie. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie. Et puis voilà, bisous les gens.